Comme à Brazzaville, la capitale, le calme a prévalu partout à l'intérieur du pays, dans tous les établissements scolaires, tant du secteur de l'enseignement général que du secteur de l'enseignement technique en ces jours de rentrée scolaire au Congo-Brazzaville. Une rentrée scolaire un peu timide au niveau de l'enseignement primaire et secondaire, remarquable à travers la visite de plusieurs établissements scolaires de Brazzaville, faite par le ministre des tutelles Anatole Koliné-Makossou. Le niveau de participation des élèves, nous l'avons évalué ensemble. Il va de 42 à 65%. Donc on peut considérer que nous sommes au-dessus de la moyenne. Le conflit dans les départements du Poul n'a pas empêché les élèves d'être présents dans leurs établissements scolaires. Là aussi, on a noté une participation effective des enseignants, une reprise timide, faut-il le dire, qui a été évaluée autour de 30 à 50%. Voilà les établissements qui ont, s'agissant des élèves, une reprise évaluée à 30 à 50%. Dans les écoles visitées, on a noté la présence de l'administration scolaire, y compris celle du corps professoral. Les cours ont bel et bien commencé, le ministre en a vécu l'effectivité. Tout a bien démarré. D'ailleurs, j'ai commencé par un devoir test pour juger un peu le niveau de ces petits qui viennent de la 4e. Je peux vous rassurer que ça a bien commencé. Là, nous sommes en plein cours. Je fais cours avec mes élèves. Là, je suis en classe de 3e 2. Détendus, certains élèves ont émis leur satisfaction. Je dis aux autres de venir parce que déjà l'école a commencé. On a fait la philosophie ce matin. On a appris que non, est-ce que la philosophie existe-t-il en Afrique? C'est ce qu'on a appris. Et maintenant, on est en train de faire la SVT. En dépit de cette reprise timide des cours, le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est déclaré satisfait du bon déroulement de la rentrée scolaire édition 2017-2018, ce qui augure d'une bonne année scolaire.